Bonjour et bienvenue, on est reparti dans cet enfer contaminé. Donc on vient juste d'arriver ici, la dernière fois on a fait tout le chemin depuis le lac Mystère avec notre meilleur copain, le Travois, hein, c'était cool. Alors on est quoi ouais, on a encore à peu près, il doit être quoi, une heure de l'après-midi. On a besoin de manger et de boire, faut qu'on fasse un peu attention à ça. On a de l'eau sur nous. On a encore ça, je pense que je vais surtout en profiter. Ils sont tous à 0,01, ça va. Hop. Très bien. C'est super calme. Hein. C'est méga calme, il n'y a pas un bruit du tout. Je regarde un peu les vêtements. Est-ce qu'on avait des vêtements qui sont abîmés ? Parce que vu qu'on a combattu des loups. Ouais. C'est un peu abîmé, mais ça va. Ça va. C'est pas horrible. On a de l'eau, on a de la nourriture à foison, ça y a pas de problème. On a 8 flèches, ça va aussi. On a des torches. Par contre, on a beaucoup de bois. Je pense qu'on va jeter le bois dehors. Alors, la dernière fois, on a abandonné notre meilleur ami, du coup, le Travois. Les temps de chargement, ils sont super étranges maintenant qu'on passe des zones. Ils sont lents. Des fois, il y a des images qui se superposent. C'est un peu étrange, j'ai remarqué ça. Mais à chaque fois qu'il y a une mise à jour, les temps de chargement ont toujours plein de problèmes. Je sais pas pourquoi. Mais ouais. Ok, donc là, on a plein de ça. Donc, on a... Bon, ça va, le temps est pas mal. Le temps est vraiment pas mal. Donc ici, c'est pas contaminé, on est d'accord. Ouais, on a l'air d'être tranquille ici. Ça, c'est bien, ça. C'est quoi, ça? Risque chimique, risque... Ok, ça va. Ça va baisser, ça. On est bon. On va garder le blindage sur nous. On va d'abord regarder un peu ce qu'il y a à l'extérieur. Puis après, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je veux voir, en fait, les bâtiments. Combien il y a de bâtiments. On va peut-être rester avec le gilet pare-balles. En fait. Juste au cas où, on va rester quand même avec le gilet pare-balles. Ok, là c'est toxique. Ils ont pas l'air de faire beaucoup de bruit des fois les loups, donc j'ai pas envie d'avoir des surprises. J'ai, en éditant, parce que maintenant j'ai édité les épisodes d'avant, j'ai regardé, on a... Non, ça va. On a quasiment rien pris hein, en dégâts hein, avec le gilet pare-balles. Quand le loup nous a sauté dessus, on a quasiment rien pris. Nécessite un pied de biche. Merde! Ah, j'en étais sûr! Putain, ok. Zone toxique. Ah non! Eh ouais, j'aurais dû garder un pied de biche sur moi. Et chier, on en a deux. C'est dans le Travois. J'espère que le Travois, il s'abîme pas avec le temps. Il y a un peu des trucs un peu étranges avec le Travois. Là, c'est pour sûrement passer par... c'est le même bâtiment, mais c'est l'arrière, j'imagine. Ok, là, il y a du toxique. On va pas s'approcher. Ça aussi, c'est toxique. 10%. Ça, je pense que si on marche là, ça va détruire nos bottes. Donc faudra faire gaffe. Et à un moment je testerai si on peut pas... risque d'entorse. Ah c'est parce qu'elle est fatiguée. Si on peut pas passer genre pieds nus, voir si ça marche de passer pieds nus. Parce que vous savez que quand il y a des... Ça je l'avais expliqué plein de fois. Attendez. J'entends des trucs des fois. Là-bas. Ouais, là-bas il y a un loup. Donc ouais, si vous par exemple vous allez dans une grotte et que vous marchez dans l'eau, ça va vous mouiller et voire vous geler en fait les bottes, les chaussettes et tout ça. Mais si vous marchez pieds nus, ça vous fait strictement rien en fait. Donc et ça a jamais changé. Donc honnêtement, je suspecte que ça fasse exactement la même chose avec les zones contaminées comme ça. Genre si vous passez pieds nus, ça doit sûrement rien vous faire.
Ah, c'est un bon endroit là. On a un établi, c'est tout ouvert et c'est chaud. C'est pas mal ça, pas mal. Par contre, il y a des câbles partout. Donc ça, c'est peut-être un tout petit peu dangereux. C'est super calme ici. Vache. Il n'y a pas un bruit, quoi. Bon, après, c'est censé être une zone quasiment morte, quoi. Là, on a tous... Oh, on a tellement à fouiller. Oh, la vache. Ah, on va rester longtemps ici, je pense, hein. Ah, on peut faire même du feu, j'avais pas vu. Ah bah, attendez. Je vais faire ça. Ok, donc concentrateur, abri. Ok. On peut ouvrir? Non, on peut pas ouvrir cette porte. Un livre. Je le déplace pour voir s'il n'y a pas quelque chose derrière en fait. Si jamais on a des problèmes pour le travois, genre imaginons qu'il casse et tout ça, des trucs comme ça. Ce que je ferais, c'est comme ce que j'ai fait pour aller récupérer du matos pour le réparer. Je ferais ça entre deux épisodes. Pour éviter de perdre trop de temps en fait. Bon là, ça serait bien de trouver un pied de biche à la limite. Mais bon. On peut très bien aller récupérer le nôtre. De toute façon, il va falloir le récupérer, le travaux. Hein. Faut le récupérer. Mais j'avoue que je voudrais bien trouver peut-être de l'équipement anti-toxique. Comme ça, ça nous permettrait de passer directement en ligne droite au lieu de faire tout le tour. Après, est-ce que le travaux prend des dégâts s'il touche le sol contaminé? Ouais, ça c'est un truc que je me demande. Est-ce que le travaux s'abîme beaucoup plus vite ou pas? On a la lampe. Oh merde, j'ai pas la lampe sur moi. Fais chier. J'ai pas la lampe sur moi. Oh merde. Qu'est-ce qu'on fait? Il fait assez jour pour faire un feu avec... Oh tiens, il y a des trucs à fouiller là. Avec la lumière, mais bon, enfin, on va pas faire un feu juste pour faire des torches. On va se débrouiller. Ah putain, il nous faudrait vraiment notre travaux. Il faudrait absolument notre travaux. Mais elle est méga fatiguée. Non, mais il faut passer la nuit là. Non, 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 non. Il n'y a pas à chercher. On va pas y aller maintenant. Parce que si je vais essayer de faire ligne droite, je vais devoir. Oh! That's cool. Come in handy. Cool. Bon, il est pas abîmé, c'est bien. Il est pas à 0%, c'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Putain, le truc, il était là, quoi. Ok, d'accord. Ça. Putain, mais j'ai plus l'habitude de fouiller ou quoi? Je vois rien. J'ai l'impression de passer à côté de tout plein de trucs, quoi. C'est incroyable. This'll come in handy. Ok. Yes. Ok, on peut passer, c'est bien. Par contre, je suis un peu lourd. Bah, c'est elle qui est fatiguée, surtout, en fait. On va regarder un peu le pantalon. J'aimerais bien que le pantalon soit vraiment bien par rapport à ce qu'on a. Genre, c'est quoi ça? Il est... Bon, 89% de gel. Nous, on a combat. Combat, normalement, c'est le meilleur qu'on peut avoir. Donc, est-ce que ça... Maintenant, il est mieux. Il a un peu moins de défense. Il fait moins de 3% par contre. Il est plus lourd. Je vais le réparer d'abord. Je vais le réparer parce que j'ai pas envie qu'il passe à 0%. Et faut qu'on voit les stats une fois qu'il sera plus gelé en fait.
Il a combien maintenant? 53. Oh, putain. Attends. On va faire ça à l'extérieur. Oui, oui, je sais. Je fais ça à l'extérieur pour le mal de l'enfermement, bien sûr. Très bien. Très bien. Pas boire à fond. Non, fais voir un peu les stats où il a, où il est pas encore. Non, il est encore gelé, ça marche. On va un peu se balader encore un peu. Voir si on peut voir des choses. Hein. C'est bien, je répète deux fois les mêmes mots dans deux phrases différentes, c'est cool. Alors, pour l'instant, on a encore un peu de visibilité. Bon, on va tout prendre. Charbon, c'est cool. Bon, là, je vois plus rien. On va peut-être éviter d'y aller. Parce qu'on va sûrement louper des choses, donc j'ai pas envie. Un peu peur de ces câbles. Alors, ce que je voudrais vraiment trouver, personnellement, ce serait une gourde isotherme. Ça, ça serait vraiment, vraiment le top. Honnêtement, juste une, je serais super content. Rien que d'en avoir qu'une seule. Je serais méga, méga content. C'est sympa, sympa de... de visiter des nouveaux endroits, ça fait longtemps. Puis on a eu une belle aventure pour y aller quand même, pour y arriver ici. On était bloqué genre à l'extérieur avec notre copain le Travois. Il faisait super froid, on s'est fait attaquer par des saloperies de loups zombies. Ah, c'était fun, honnêtement c'était fun. Ça fait longtemps que je m'étais pas aussi amusé dans Zelda. Tiens, on peut dormir là. On n'a même pas besoin d'utiliser notre sac. On peut dormir ici dans la voiture. Yes, nickel. Très bien. J'ai toujours le gilet. Ouais, j'ai toujours le gilet équipé, ça va. Juste au cas où. Par contre, elle est. C'est vrai qu'on a sprinté et tout ça, elle est vraiment fatiguée, fatiguée. Quoi. Il fait même pas encore nuit. Mais en tout cas, c'est bien parce qu'on a un endroit. Bon, ça sert à rien, je vois pas grand chose. J'ai pas vraiment envie d'utiliser une torche et tout. J'ai envie de garder mes allumettes, quoique, attendez. J'en ai qu'une seule de torche. On a récupéré combien d'allumettes? Ah tiens, ils ont fixé ça? Tu te fous de ma gueule? Pourquoi ils fixent des choses qui étaient bien? Genre maintenant, ça y est, ça fait plus le même pourcentage. Donc du coup, on est reparti à utiliser... enfin, avoir 150 000 boîtes d'allumettes, en fait, dans l'inventaire. C'est super. Ah, merci. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah, on va le faire ça, c'est pas grave. On vient de trouver des allumettes. Ah là 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 là, c'était bien, ça, qu'elles se stackaient tout en même temps, là, tout ensemble. Putain. S'il y avait un moyen de mettre toutes les allumettes dont je dispose à 100%, comme ça elles se stackent tout en même temps, tout ensemble, je le ferais, honnêtement je le ferais. On peut aller là ou pas? Oui. On va aller là-bas. Ah oui, il y a encore un étage hein, en plus. Dommage. Cette plume de corbeau. Une batterie de voiture. Ok. Une batterie de voiture. Bah, elle est bien bonne, celle-là. Elle est bien bonne. J'ai pas regardé ma mission aussi. J'avais dit que je la montrerais, mais j'ai pas regardé encore. Donc, faut qu'on le fasse. Je sais pas ce qu'on doit faire ici en fait. C'est méga calme.
On a trouvé une batterie de voiture. Voilà, la laisser là, en plein milieu. Quasiment plus de torches. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas monter. Parce que de toute façon, si jamais on... Bon, ce qui est bien, c'est que c'est pas comme le... L'autre zone. Ici, ça a l'air d'être assez clair pendant longtemps. Vous voyez, parce que normalement, il fait déjà nuit, là. Enfin, ça commence vraiment. Et beaucoup de bâtiments sont déjà très très sombres. Là, ça a l'air d'aller, donc... Donc on va se mettre ici, on va dormir, je pense. Ouais. Ok. Ça va, on a survécu, c'est cool. On va faire un peu le résumé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se réveille et on va chercher notre travaux ou on continue un peu notre exploration? Je pense qu'on va devoir aller chasser, récupérer le travaux, honnêtement. Pour avoir un peu l'esprit plus tranquille. Parce que sinon, on va avoir des problèmes. Je voudrais bien tout récupérer, genre la lampe et tout ça. Et surtout, c'est que on a tué tous les loups sur le chemin. Donc, j'ai pas vraiment envie de perdre cet avantage. Donc ça va poser problème si on attend, en fait. Ça, il faudra qu'on le jette. J'essaierai de baisser mon poids quand on ira chercher le travois. J'ai pas de peau de lapin. J'ai des peaux de cerf, mais c'est surtout pour le travois. Mais j'ai pas de peau de lapin. Ça, les peaux de lapin, il faudrait en prendre sur nous. Parce que ça pèse pas vraiment lourd. Donc, à la limite, des peaux de lapin, il faudrait. Honnêtement, j'espère que ça, c'est bien. Parce que si vraiment c'est mieux que ce qu'on a... Ça m'étonnerait, honnêtement. Mais si c'est vraiment mieux que ce qu'on a... Je l'utilise. Ça serait con de l'utiliser parce que on perd en défense. On perd en sprint. Donc ça serait vraiment con. Techniquement, ça serait vraiment débile de faire ça. Mais bon, on va voir. On va voir les stats quand. Ça sera dégelé. Alors, fouillez la mine de Langstone pour trouver des traces de Rudiger et de son projet. Donc nous, on a fini ça. Donc maintenant, on est à ça. Utiliser les radios haute fréquence portables pour détecter des signes de vie. Ah, ok. En plus, faut se balader la nuit. Ah, super. Super, super. Bon. Bah, go dormir. Go dormir. Très bien. Ça, c'est quoi, ça? État maximum. Maux de tête. Qu'est-ce qu'on a là? Repos. Ah, du meilleur repos. Est-ce qu'on en a besoin du meilleur repos? Honnêtement, non. Je pense qu'on va pouvoir récupérer quasiment tout ce qu'on a. On va boire. On va dormir genre 7 heures, un truc comme ça. Donc, du coup, dans la voiture, on peut dormir. 8 heures. Je crois que j'ai entendu le bruit des aurores boréales. Ah oui! Ah oui! Ah oui, je confirme. Ah oui, je confirme, on se croirait dans une boîte de nuit là. Waouh! What the fuck? Je vais voir un peu à quoi ça ressemble le dehors. Ça va, c'est cool. Et du coup, est-ce que ça fait des loups zombies d'aurore ou pas? C'était quelle porte qui était bloquée? C'est celle-là? Ah non, mais c'est pas le même bâtiment du tout, en fait. Non, c'est pas là.
Non, mais c'est pas le même bâtiment du tout. J'ai un peu peur des câbles. On peut faire la radio aussi. On va en profiter. On finira de dormir dans un petit moment, mais je voudrais en profiter un peu pour... Oh mon dieu, on peut passer par là. Putain, j'espère que ça marche pas. Hein. J'espère que ce truc, il marche pas. Hein. On dirait qu'il y a du sang sur le côté. Imaginez, ça s'allume. Et on est dedans. Mon dieu, cette lumière. On va peut-être mettre ça. C'est pas vraiment pour les pieds sûrs, mais c'est pour éviter de d'avoir aussi peu de... d'ambiance. Oh mon dieu, on est où là? Ah mais on est au-dessus! Oh cool! Par contre, là il n'y a pas beaucoup de lumière en fait. On est au-dessus d'où on a dormi. On peut passer ou pas? Tout va bien, tout va bien. Tout va bien, y'a pas de problème. Eh ben, quelle chance. Eh ben, quelle chance. Par contre, je vois rien du tout. Putain, je vois quasiment rien, fait chier. De toute façon, on refera de plusieurs tours. Hein. Je vais pas... Non, mais là, je vois rien du tout. On refera plusieurs tours. Là. Oh mon dieu, c'est compliqué hein, pour voir quelque chose. Hein. J'avoue que là, c'est peut-être un peu une bêtise que je fais. Je voulais un peu me balader, mais... Bon, je vois que dalle ici. Je vais voir ce qu'il y a en haut. Il y a l'air d'avoir encore un passage. Ouais, alors là, peut-être pas, non. Ah, vous savez quoi? On va aller dormir. On va partir. On va aller se reposer. Est-ce qu'on peut directement descendre? Ah bah oui, de ce côté-là. Ouais, on va aller descendre, on va continuer notre petite sieste pour qu'on soit en pleine forme, comme ça on ira récupérer notre travaux, parce que je veux absolument récupérer le travaux. Sinon on va avoir des problèmes. Après c'est pas comme si il nous manquait de la nourriture et tout ça, mais ça va poser des problèmes. Ouais. Au fur et à mesure qu'on passe du temps sans le travaux, j'ai vraiment pas envie d'y sias. Il y a encore un étage au-dessus, j'ai vu. Il y a les autres bâtiments aussi qu'on pourrait... Ah, à la limite, je suis un peu curieux, en fait, parce qu'il y a une aurore boréale, donc peut-être qu'il y a des machines qui s'activent et tout ça. Il y a peut-être la porte qui était verrouillée et qu'on doit forcer. Tu vois un peu la radio, ce qu'elle dit? Ah, bah c'est ça, en fait. C'est bizarre, le bouton il était bleu à un moment.
C'est quelle porte qui était verrouillée? Là, on peut rentrer. Merde. C'est là? C'est ça? Non, je crois que c'était ce bâtiment-là. C'est ça qu'il nous faut ou ça qu'il nous faut? Je sais pas. Je crois... Oui, c'était ça, c'était ça. C'était cette porte-là. Je fais super attention, hein. Je fais méga attention maintenant. Je vois rien. Nécessite la clé du contremaître. Ça marche. Du contremaître. Du coup, faut sûrement trouver son cadavre, j'imagine. Putain, on récupère rien du tout, c'est chiant. On voit quelque chose à travers la fenêtre? Oh. C'est quoi ça? J'ai cru voir genre établi. Je suis pas sûr. Ah si. Lol. on peut utiliser l'établi à travers la fenêtre. C'est marrant ça. C'est marrant ça. Bon, par contre, je vois que dalle. Allez, on va se casser. J'arrête pas de dire qu'on doit partir. Mais... Enfin, à la limite, on peut dormir ici. Oh mon dieu, mais c'est méga grand. Putain, la lumière. Non, mais honnêtement, ils savent vraiment pas gérer la lumière. Je suis désolé hein, de sortir un peu de l'immersion, là. Mais ils savent vraiment pas gérer la lumière dans ce jeu. Les devs, là. Oh la vache, comment c'est clair, quoi. Genre, on dirait le flash d'une bombe atomique, quoi. Là. Tellement que c'est blanc, là. Alors que quand vous sortez, c'est à peine si on voit la différence entre une nuit normale et une nuit aurore, quoi. Putain, on fout ça. Et honnêtement, si c'était comme ça, ça devrait tout éclairer. Genre, on devrait tout voir. C'est incroyable. Oh putain, je vois rien. Ça m'éblouit et tout. Non, enfin, c'est pas grave. Ouh, c'est quoi ça? Oh mon dieu, c'est le câble d'ascenseur. On peut utiliser le câble d'ascenseur pour descendre. Sans déconner. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est super bien trouvé, par contre. Baril, y a rien dedans. De toute façon, je vois rien du tout. Je suis ébloui. Je suis ébloui comme un fou, là. Oh, vache. Ouais. Ça, c'est pas mal. C'est une cage d'ascenseur, du coup. Et on peut utiliser le câble pour descendre. Mais c'est profond, profond. Ah ouais. C'est profond, profond. Bon, faudrait qu'on dorme parce qu'on se fatigue pour rien. Oh mon dieu. Ça va me rendre fou. Vas-y. Il est où mon sac de couchage? Quoi?
Il est où mon sac de couchage? Je l'ai mis où mon sac de couchage? Je l'ai toujours sur moi normalement. Je l'ai laissé genre avant la zone? Avant de rentrer ici? Quand on s'est arrêté au rail là? Je l'ai perdu. Comment? Je l'ai pas mis dans le. Je l'ai pas mis dans le travois quand même. What? J'ai un gros doute là de ce que j'ai fait. Ah non, non, il est à côté du travois. Il est toujours déplié parce que je l'ai pas ramassé. Oh merde. Ah oui, il faut absolument qu'on y retourne. Non, 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 parce que je pensais que je l'avais pas récupéré en fait. Non, non, si, il est juste à côté du travois, où on s'est posé à côté du feu, en fait. Ah bah putain, t'es encore heureux qu'il y avait la voiture, hein. Sinon, on aurait eu des problèmes, hein. Incroyable. On va manger tout ça. Fardeau alourdi, il n'y a pas de problème. De toute façon, ça va partir le temps qu'on dorme. 42-61. Par contre, je suis en train de me dire qu'est-ce qu'on va faire pour la nourriture. Ok, on est en pleine forme. Parce que il n'y a pas l'air d'avoir des zones de chasse en fait. Il n'y a que des loups contaminés. Donc je suis un peu perplexe. Donc ça, fais-moi rêver. Ça protège un peu plus contre le vent. Ça fait rien du tout en fait. Non mais c'est nul. Ça doit monter. Ça monte à 2, ça doit monter à 1,5 en fait. Non mais c'est pas intéressant. Fais chier. On va le mettre là. C'est pas intéressant, c'est bête. On peut faire du roleplay si on veut, à la limite. Le faitout, on va le poser ici. Ça aussi. Le jet pare-balles, on va le garder sur nous. Allez, c'est bon, on y va. Putain, j'espère qu'il fait, hein, il fait bon. Ça a l'air ok. Okay. Alors, je voudrais voir si on peut... Oh putain, non, pas du brouillard. Chier. Bon, après, le chemin était pas très très compliqué, donc ça devrait aller. Mais je vais pas voir les zones toxiques, en fait. C'est ça, le problème. Alors, je voudrais savoir si on peut... Si on peut faire ligne droite. Mais je vais être franc, je pense que c'est trop dangereux. Non, mais je suis pas sûr, en fait. Non, on va prendre le chemin qu'on connaît, ok? On va pas commencer à s'agiter et machin et tout ça et... un truc, peut-être, ça serait de prendre du bois sur nous pour faire du feu, parce qu'on va devoir se réchauffer. Enfin, on va sûrement en trouver, de toute façon. J'ai juste besoin de faire un tout petit feu, de réchauffer une boisson et après on est bon.
On n'a qu'à suivre les corbeaux. Si jamais on se perd. Là-bas, il y a la mine. Il y a l'air d'avoir des cadavres aussi. Donc du coup, c'est quoi qui est dangereux pour les bots? C'est les zones toxiques? Ou alors c'est la couleur un peu marron, la couleur rouille qui est par terre? C'est quoi qui abîme les bots? Vous avez toujours pas de viande sur vous? Juste au cas où. Genre ça là, est-ce que c'est ça qui détruit les bots? Moi je dirais que c'est ça en fait. Ça là, c'est marre là. Attends, on va. Ok, on va faire ligne droite. Ok, go. C'est très très léger hein, l'indication qu'on est dans le toxique. Il y a vraiment le son en fait. Moi c'est ça la première chose que je remarque. C'est le son. Et après on a les couleurs vertes autour. Mais c'est super léger. Hein. Et puis il n'y a pas d'indication qu'on devient empoisonné non plus. Genre je suis même un peu surpris qu'il n'y ait pas d'indication pour ça. Genre il faut à chaque fois regarder notre ce qu'on a, notre personnage en fait. Voilà, là on est à 13%, vous voyez. C'est un peu étrange. Normalement quand on a une affliction elle s'affiche. Bon faut se bouger un peu le cul parce que c'était quand même loin. Hein. Après faut se retaper le chemin inverse avec le travois. Hein. Enfin. Bon, il me faut du bois. Il me faut absolument du bois. J'espère qu'on pourra passer là ce passage. Je pense. Il me faut absolument du bois parce qu'on va sûrement devoir faire un feu. On va réchauffer une tisane là vite fait et on va la boire. Après, là à droite là. Ça descend super bas là, ça va en contrebas. Peut-être que là il y a des animaux à chasser. Peut-être. C'est vrai que pour l'instant il n'y a pas grand chose. Techniquement, c'est. Pour le moment, c'est la zone la plus difficile du jeu. C'est un loup normal, ça. Tiens. Oh, 0,7, pas mal. Peut-être qu'on prendra le steak. Ouais, techniquement, c'est la zone la plus difficile du jeu pour le moment. À cause de ça. À cause du fait qu'il n'y ait pas d'aliments. Pas de choses à manger. Enfin, pas d'animaux, pardon, pas d'animaux, on va dire. Parce qu'il y a des choses à manger, pas beaucoup. Du bois, s'il vous plaît. Je pense que ça devrait aller. Et mon petit travois. Très bien. Deux bâtons. Putain, c'est chaud, deux bâtons. On a du bois là-dedans. Yes. On va faire du feu, comme j'ai dit. On va réchauffer un truc et on rentre. J'ai pas trop envie de perdre de la vie. Come on, little fire. Très bien.
prendre ça. On n'a pas énormément. Oh, putain, c'est de la merde ce système. Nickel. Tiens, on va prendre des pierres. Faut qu'on se bouge le cul. Non, on va virer le sac de couchage. 41. Nickel. Nickel, go. Tut. Très bien. Voilà, ça devrait nous faire tenir jusqu'à ce qu'on rentre. Enfin, on va sûrement avoir froid, mais au moins on aura un bon moment sans avoir froid. Alors, est-ce que je peux attraper ça, par exemple? Ah putain, non, je peux pas, ça marche pas la collecte. J'aurais dû peut-être faire un peu plus de feu. J'en sais rien. Est-ce que je peux récupérer des petits bois par terre? Non. Putain! Ça c'est bête ça, honnêtement. Genre faut poser le travois tout le temps pour interagir. Oui mais bon, c'est chiant quoi. Alors, on va dire qu'on a les mains prises et on est trop bête pour garder le travois dans une main et utiliser notre deuxième main pour ramasser des bouts de bois quoi. Non, enfin c'est pas grave. Ça va, le chemin est pas si long, ça a paru long parce que c'était la première fois qu'on le prenait. Faut absolument qu'on répare notre travois. Je sais pas quand on va le réparer. On va le réparer quand on passera. J'ai un peu peur de passer la zone toxique. J'ai peur qu'il se casse avant qu'on arrive à notre camp. Au bâtiment. Je dirais pas non pour le réparer maintenant en fait, je vais être franc. Mais du coup ça voudrait dire qu'il faut refaire un feu. Enfin ça dépend combien de temps ça prend en fait. Ah, il a perdu combien là? 4%. C'est 4%? Vache. C'est un peu abusé, hein. Je serais pas contre, honnêtement, pour un système pour balancer un peu le jeu, je serais pas contre qu'il diminue. Allez, d'un quart en fait. Genre 25% moins vite, parce que c'est quand même un peu abusé. Mais bon. Là, il doit être à 29. 28. C'est presque des secondes, quoi, en fait. C'est abusé. Là, on arrive. De toute façon, il va bientôt faire nuit. On va pouvoir dormir, se récupérer de la vie. J'ai l'impression que le temps se gâte. Ah, regardez, là-bas, il y a un bungalow. Au milieu, pile au centre. Enfin, un bungalow, c'est... Ouais, non, si, ça, c'est ça, hein, c'est un bungalow. Ah bah tiens, on pourrait aller sur la gauche aussi, voir si vraiment on peut chasser, en fait, sur la gauche. Alors, attendez, on est à 28, ok.
Allez, dépêche. Retiens ta respiration. On avait dit quoi, 28%? Mais là, on peut pas l'esquiver. Hein. On est obligé de se prendre du toxique. Hein. Complètement obligé. Faudrait des... Ouais. Ah, ça y est, maintenant ça le dit. Pourquoi? Parce qu'on est quoi, 50%? Ça de... On devrait être en dehors là. Ouais, c'est bon, je crois que le son il est redevenu normal. C'est un peu flippant quand on doit passer comme ça. J'avoue que le mieux, ça sera de prendre le travois dans nos mains, hein, de faire un aller-retour. Hein. Enfin, quoique, ce serait débile. Non, faire un aller-retour, même si on sprint, je crois que ça serait pire que de passer une fois avec le travois, en fait. 23. Non, il prend pas de dégâts. Je pense pas qu'il prenne des dégâts supplémentaires, honnêtement. Alors pour le moment, je dois dire que j'aime bien la zone. J'aime beaucoup la zone. J'ai l'impression que cette zone, elle n'a pas été faite par les mêmes personnes qui ont fait la zone de l'aéroport. La zone de l'aéroport, il y a tellement de rien à des endroits, et c'est méga grand. Là, il y a plein de choses. Là, il y a déjà en fait plusieurs directions à prendre. Genre, à droite, je sais que à droite, c'est d'où on vient. Et il y a donc chemin, ligne droite, mais c'est toxique et tout ça. On peut contourner donc ce qu'on vient de faire, donc on passe par là. Après, juste avant de toucher la zone toxique, là, on peut aller bifurquer sur la gauche. Et apparemment, il y aurait des grandes étendues, donc peut-être qu'on peut trouver des animaux. Si après, on continue par la droite, donc ce qu'on vient de faire et qu'on continue la route, on arrive au bâtiment minier. Et il y a la mine juste là-bas, à gauche. On peut même dépasser les bâtiments, parce que là-bas aussi, il y a l'air d'avoir quelque chose. Honnêtement, tip-top la zone. Pour le moment, elle est super bien faite, la zone. J'adore. Et c'est pas facile d'accès non plus, parce qu'il faut faire faut bifurquer un peu à droite à gauche. Mais il y a plein de protections, donc ça aussi c'est pas mal en fait pour se déplacer. Même si la zone est compliquée, tant qu'il y a des protections c'est cool. Non, honnêtement la zone est nickel, est vraiment fun, vraiment vraiment fun. J'ai rien à dire de négatif pour le moment. Les zones toxiques, bon, elles ont l'air chiantes, mais ça passe. Faut qu'on voit si on est contaminé ou pas là par contre. Ok, on va s'arrêter là. 13%, la vache. Ok, alors fais voir un peu. Non, ça va. Non, ça va. J'avais un peu peur honnêtement que le toxique soit vraiment un gros problème. Parce que comme j'ai dit, il faut apparemment se piquer au steam là, pour au stimulant, enfin au steam, pour enlever la maladie. Mais ça va en fait, ça monte pas très très vite, pour l'instant en tout cas. Et ça part assez vite au final. C'est quoi? Ouais, ça va. C'est quoi, 1% par minute peut-être? Quelque chose comme ça? Donc honnêtement, c'est très... ça va, c'est très bien. On va en manger encore un. Ce serait cool de tomber sur des marteaux. Nickel. Soda. On va prendre soda. Nickel. Faut qu'on le répare, le travois. Par contre, c'est bête, je peux pas le... Ah mais attends, on peut aller... Attends. On peut peut-être aller dans l'autre abri, parce que l'autre abri, en fait, il est ouvert.
Donc techniquement, on peut faire passer le travois. Enfin, je sais plus exactement si on peut le faire passer. Et il est protégé, en fait, du vent et tout ça. Et il fait chaud. Donc ça serait peut-être mieux de s'arrêter là, en fait, pour le travois. Bon, c'est un peu plus... Ouais, non, mais c'est vachement plus loin, en fait. Je pensais que c'était un peu plus loin, mais en fait, c'est vachement plus loin. Genre là-bas, dans le bâtiment, ici. Ouais, mais putain, faut passer par là. Ouais. On peut. Il faudrait que je le répare. Je pense que je vais le réparer genre maintenant par contre. Je vais pas le reprendre dans les mains et courir là, parce que il est trop fatigué en fait machin. On va faire ça. Je vais juste passer une ou deux minutes ici pour qu'on se réchauffe. Comme ça, j'ai le temps de le réparer. Je pense que les bottes, elles prennent un peu cher. Je sais pas. J'ai l'impression que tout prend un peu cher, en fait. Alors peut-être qu'au final, ouais, rien que d'être dans le toxique, peut-être que ça fait baisser les bottes, peut-être. Ouais. C'est une possibilité. Ouais, c'est une possibilité. Faudra faire gaffe. Est-ce qu'on a des trucs à préparer? Tiens, on va prendre un pont à faire du pansement. Parce qu'on en a déjà utilisé un. Je pense pas que ça prenne beaucoup de temps pour le réparer. Ah mais attendez, on l'a mis contre la porte. Non, on l'a pas mis contre la porte. Il faut le vider pour le réparer. Attendez, on peut faire ça peut-être. Porte. Too much to carry. Voilà. Je peux pas bouger là, hein. Je peux pas bouger. Il y a trop de trucs. Donc du coup, on peut le réparer. Réparer. Ah, une heure quand même. Ouais, bon, on a bien fait de rentrer. On a vraiment bien fait. Il était pas à 13%? Pourquoi ça me dit 14% maintenant? C'est quoi cette merde? Ok. Alors, fais voir. Si on le répare, quantité à réparer 70%. Tu répares 70% en une fois? Ouh, c'est bon ça! Ça, c'est bon ça! Faut que je le partage sur mon Discord ça. C'est vachement bon ça. Alors, 1h, 1h40, 2h à la main. Ah, donc il faut quoi? Donc, ouais, c'est ou couteau ou hachette en fait, ou à la main. C'est intéressant qu'on puisse le faire à la main en fait. Fais voir. Ouais, c'est bon. Je regardais si j'avais assez de d'eau et tout ça. Très bien. Et ben c'est parfait. Voilà, 84%, c'est nickel. Nickel, nickel. Bah du coup on va s'arrêter là. Hein. Par contre je suis en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je dépose tous les objets ici et je lâche le travois un peu? Oh putain, ils ont... Ça a uti... Il n'y a que celui-là qui n'a pas été utilisé. Ça a dû utiliser un peu tous les pieds de biche qu'on a quoi. On est à 70 kilos. Pourquoi on est à 70 kilos? Je peux bouger? Ouais, je peux bouger. Je pense qu'on va mettre nos objets ici.
Ouais, je pense qu'on va mettre nos objets ici. On va pas les laisser dehors. Putain, les flèches. Les laisser dehors dans le travois. Parce que le travois, je voudrais le trimballer sur moi, en fait. Okay, très bien. On va déposer ça. Okay. C'est moi ou j'ai l'impression que tout est très très... Ah putain, oh la vache, je me disais aussi. Mais c'est pour ça que je pouvais pas... Ok. Je me disais, mais on dirait que tout est super grand, en fait, comparé à moi. Je commence à péter un câble. C'est parce que j'étais accroupi. Hein. Pourquoi j'étais accroupi? C'est bizarre. Okay. Je range un peu au fur et à mesure. Je sais pas si on pouvait dormir. Où est-ce que je disais là? Dans le lieu... dans l'abri. Je sais qu'on pouvait faire du feu. Mais je sais pas si on pouvait dormir. Ouais non, c'est pas mal ici. Ouais, de toute façon au pire... on déplacera les choses hein, si besoin, mais je pense pas que j'en ai besoin. Ça, c'est vraiment cool de pouvoir ramener autant d'objets. C'est vraiment super fun, en fait, ça. Ce côté-là, grâce aux travaux. Vous avez vu tout ce qu'on a? Là, on a fait notre maison, déjà. Je vais... Bah, je déposerai le bois après. Ça, je voudrais ravitailler avec ouais, la petite bouteille. Nickel. La nourriture, on la garde. Par contre, je vais peut-être un peu limiter tout ce que j'ai là. De l'eau, on en a un peu trop. Bon bah du coup hein, ça va être, on va faire ça jusqu'à la fin là pour le moment. On va juste se préparer en fait pour repartir la prochaine fois. Ça aussi je voudrais pas en fait trimballer du surpoids. Peu importe si c'est 0,10 et tout ça, je voudrais virer toutes les choses qu'on a vraiment pas besoin. Très bien. C'est embêtant que ce soit le bordel par terre là. Bien. C'est pas beau tout ça. Désolé. Désolé, là c'est ma manie à vouloir ranger les choses vite fait. C'est juste que je veux pas que les choses se rentrent les unes dans les autres parce que ça fait pas beau comme ça. Mais après on va pas passer 3 heures non plus. Ok, on est à 49 kilos, ça fait quand même encore beaucoup. Je sais pas pourquoi on est à 49 kilos. Merde. What? Ah oui, pardon. Désolé. J'étais en mode poids, du coup ça a posé qu'une seule tête de flèche. À 47 kilos. Méga lourd. Et encore, j'ai pas le gilet pare-balles sur moi. Pourquoi je suis méga lourd? J'arrive pas à comprendre. Bon, j'ai 4 litres d'eau, d'accord. On a le bois, on a 2 kilos de bois. Fais chier.
On va poser 7 flèches supplémentaires. On n'a pas besoin d'en avoir 150. I wonder if I can drop any of this gear. C'est bon, on s'approche. Bon, très bien. Je vais poser le bois. Bon ben voilà, on va s'arrêter là. Est-ce qu'on dort maintenant? Je sais pas, je voudrais encore me balader. Très bien. Je voudrais juste un peu regarder. Genre par rapport à la... Attendez, on peut peut-être dessiner aussi l'entrée ici. On va se mettre dans ce coin-là, là, comme ça on va pouvoir dessiner le côté droit. Voilà, ça c'est le bas de la mine. Oh, c'est sympa là, peut-être, pour faire un feu. Il y a plein d'endroits pour faire des feux, c'est vachement bien. L'aéroport, c'est la seule zone où il n'y a pas d'endroit. Incroyable, quoi. Je déteste cette zone, juste pour ça aussi. Attends, il y a du toxique là ou pas? J'ai vu la boîte. C'est quoi ça? Ouais. Je pense qu'on va garder la mine pour un peu plus tard. Parce que d'abord, je voudrais un peu explorer les zones aux alentours. Voir si vraiment il n'y a rien du tout à chasser. Parce que je serais quand même méga surpris si vraiment il n'y a rien de rien. Ça se peut, hein, mais... Le problème, c'est que s'il y a vraiment rien de rien, ça veut dire qu'entre certains épisodes, je vais devoir me retaper tout le chemin, quoi. Pour aller récupérer de la nourriture, tout simplement. Ça sera un peu débile, mais bon. Enfin, quoi qu'à la limite, on peut aller dans les zones adjacentes, genre chasser des loups, dépecer les loups et ramener plein de viande de loups. Ouais, je peux faire ça à la limite. Oui, ça serait une meilleure solution, franchement. Au lieu de me retaper tout le chemin jusqu'au camp, jusqu'au lac Mystère. Mais ouais, je crois qu'il va falloir qu'on arrête de toute façon. Sinon l'épisode va être un peu trop long. Mais ouais, je peux sortir de la zone parce que honnêtement, c'est pas très très difficile de sortir maintenant. On a une échappatoire en fait, on a un beau chemin qui est pas trop trop dangereux. Donc techniquement, je peux partir un peu quand je veux, il y a pas de problème, c'est pas méga loin. Et on peut peut-être chasser des loups. Enfin, attendez, si on sort de la zone. On arrive... Oh merde, j'ai le pied de biche sur moi, oui. On arrive à la zone des trains. Enfin, la zone de passage, là. Il y a des loups. Non, il n'y a pas de loups, en plus. Ah, c'est chiant. Ouais, non, je suis un peu bloqué pour la nourriture. On verra, on verra. On verra, c'est pas grave. De toute façon, pour l'instant, on peut tenir encore un moment. Et si jamais on arrive vraiment à court, et qu'on trouve rien, on pourra toujours partir. Après, il y a un... Oh mon dieu. Oh mon dieu, il y a un trou dans la... Il y a une hitbox qui est pas là. Là. On peut passer à travers le mur. Oh putain, t'es sérieux. Ah, le jeu, quoi. Je vois rien du tout. Je sais pas s'il y a... Genre s'il y a un sol ou pas, quoi. Là, on arrive où, du coup?
Ah oui, là on est au-dessus avec l'ascenseur. Ça c'est la cage d'ascenseur. Ça m'a fait peur, hein, le truc. Je pense qu'on pouvait tomber et mourir. Je refais un tour vite fait. Parce que là maintenant on a une corde. Bon, le bois, ça on n'a pas de problème. Hein. Il y a du bois de tous les côtés. Il y a des caisses, il y a des barils. Il y a vraiment zéro problème pour faire du feu. Ça c'est une bonne chose. Ça, on va les fouiller. Attends, il y a des barils ici. Je sais pas ce que c'est, ça. On dirait qu'il y a quelque chose. Bizarre. Bizarre. Point de vue établi aussi. On est très très bon. Bon, ça va, on a des allumettes et tout. Il y en a beaucoup, des établis partout, pour le moment, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a exploré. On va bien aller là-dedans. Ah oui, fais voir un peu si on peut voir un peu mieux. Non, on voit rien du tout. Oh! T'es sérieux, là? Fouiller le casier. Oh putain, qu'est-ce qu'on fait? On le fait ou pas? Non, on le fait pas, non. Non, on va pas le faire, on va pas le faire. On le fera si voilà. Oh, bonjour. T'as pas une clé sur toi? T'as pas le contre-maître du coup? On le fera peut-être à un moment ou à un autre, mais je voudrais trouver la clé en fait. Plutôt. Ah là 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 là. Aïe. Mais après, pour limiter l'utilisation des calories, ce qu'on pourrait faire, c'est s'affamer. Mais bon, on perdrait le buff. Ce serait un peu embêtant. Non, mais ce serait une mauvaise idée, honnêtement. Bon, la prochaine fois, je sais pas ce qu'on va faire. La prochaine fois... Alors, carte... C'est pas la bonne. Putain. Oh là là, il me rend fou le jeu. Attendez, on va sortir directement parce que j'ai pas envie de chercher 3 heures. Donc la prochaine fois. Donc nous on est là. Donc ça c'est les mines. Et on avait vu que... Genre... Voilà, cet endroit là, là. Là, ça c'est les hauteurs. Ça c'est le bas là. Parce que nous on a fait comme ça. On a fait comme ça. Et on a vu que là il y avait une sorte de champ. Et après il y a... genre quand on passe les bâtiments là. Genre là-bas. Ouais voilà, là-bas. Il a l'air d'avoir, donc dans cette direction, il a l'air d'avoir aussi un peu des champs. Donc la prochaine fois, ce que je voudrais faire, en fait, c'est voir si on peut pas fouiller un peu. On essaye de pas être trop chargé. De toute façon, on va prendre le travois sur nous. Hein. En plus, il y a des loups aussi. Bon, des loups, ils ont pas de viande. Mais je voudrais bien aller voir de ce côté-là pour savoir si vraiment il y a zéro animal qu'on peut chasser. S'il y a vraiment rien, ça va être la galère. Je serais super étonné qu'il y ait vraiment strictement rien, en fait, à chasser. Mais bon, c'est possible, hein, c'est possible. Hein. S'il faut, ils ont fait le truc super hardcore par rapport à ça, hein, mais voilà. Je voudrais aller ou cette direction ou l'autre, genre qu'on se balade et qu'on cherche, en fait. Les bottes, ouais, les bottes, elles prennent un peu cher, ça m'embête un peu. C'est pas grave, hein. Ce n'est point grave.
très bien. Très bien. Donc ouais, il nous faut de la nourriture. Il nous faut une source de nourriture. Sinon, on va bouffer toutes les ressources. Là, j'ai quasiment fini mes glands. Ça, honnêtement, je pensais pas que ça allait aussi vite. On a encore pas mal, hein. On a encore genre c'est 1000 lin et on en a 6, donc ça va. Et on a encore ça. Genre j'ai même pas fini ça par exemple. Ah, très bien. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de problème. Il n'y a pas de risque encore. Donc c'est pour ça que je voudrais prendre de l'avance et trouver un terrain de chasse. Satiété. Vous sentez en forme après votre repas. On a plus de vie, je crois. Ça dure 34 minutes. Bah, c'est nul. Donc ouais, on va faire ça. On va dormir. Repos. Ouais, repos. Je suis obligé d'utiliser le sac de couchage en fait. Ah oui, maintenant je suis obligé de l'utiliser parce que je l'ai dans l'inventaire. C'est bizarre. Normalement il devrait être là, je crois, le sac de couchage. Et là ça devrait être le dormir normalement. Ou alors c'est juste l'icône qui change, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. J'ai bu. Parce que je parle, mais... Ouais, on est bon. Allez. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Honnêtement c'est fun. J'aime bien, c'est fun. Mais il faut qu'on trouve un terrain de chasse, sinon on va avoir des problèmes. À la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.